L'idée de mon film La tête en friche, elle est venue simplement de la lecture du roman de Marie-Sabine Roger, La tête en friche. J'ai trouvé que c'était un roman magnifique qui racontait l'histoire d'un personnage tout à fait inhabituel, qui est joué par Depardieu, Germain, et qui était un personnage brut de décoffrage et qui commence l'histoire et puis au fur et à mesure de cette histoire évolue. C'est compliqué la lecture, tu sais, toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment ça s'appelle ? La peste. D'Albert Camus. Albert ? Ah ben c'est comme mon grand-père. D'un personnage inculte, il ne connaissait rien à rien. Il fait la rencontre d'une vieille dame et cette vieille dame, tout d'un coup, lui apprend beaucoup de choses, notamment la lecture, et il devient un fan de lecture et même ses amis qui se foutaient un peu de sa gueule, il arrive même à les chambrer à son tour. Vous voyez, c'est l'évolution. C'est toujours intéressant de voir un personnage qui évolue au cours d'une histoire. C'est comme un spectateur qui vient voir un film et quand il sort, il n'est plus tout à fait le même. Et ça, c'est toujours intéressant.